Picard. Nouveau rebondissement dans l'affaire du rapport de Xavier Tibéri. La chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris a annulé l'ensemble du dossier d'instruction. Les saisies du juge Alphen n'ont pas été faites dans les règles. Seule une nouvelle plainte pourrait éventuellement permettre de réouvrir ce dossier. Dominique Verdaillan. Ce matin, Jean Tibéri n'avait en apparence qu'une préoccupation, la mise en place des quartiers tranquilles, ici dans le 13e à Paris, avec le maire Jacques Toubon, l'ancien garde des Sceaux. Mais l'agenda du maire de Paris comporte aussi des rendez-vous judiciaires. Cet après-midi, la justice a refermé le dossier du rapport de Xavier Tibéri, payé 200 000 francs, faute comprise, par le Conseil général de l'Essonne. La procédure est annulée. La justice a considéré que la saisine de ce rapport par le juge Alphen en 96 était irrégulière. D'abord, le juge n'a pas recueilli l'assentiment de Xavier Tibéri. Ensuite, il a prévenu le parquet de sa découverte 3 mois plus tard. Conséquence, Jean et Xavier Tibéri, mais aussi Xavier Dugoin, le commanditaire du rapport, ne sont plus mis en examen. Et le conseil de Xavier Tibéri espère qu'il s'agit là d'un point final. Il faudrait alors considérer que c'est un véritable acharnement, car au-delà de la loi, il n'est pas d'usage qu'une procédure annulée soit artificiellement reconstituée. Est-ce que vous ne craignez pas que cette affaire soit mal perçue par l'opinion publique? Bah écoutez, ça, vous savez, l'opinion publique, on verra.